Bonsoir tout le monde et bienvenue sur PSTHC TV, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir on va continuer notre aventure sur Lego Marvel Super Heroes en compagnie de Metal Man et de tous les personnages Marvel. Hein. Aussi bien gentils que pas forcément gentils, hein. Bien que ça s'appelle Super Heroes et pas Super tout court. On incarnera beaucoup de gens au cours de l'aventure, vous avez déjà pu voir, vous verrez encore. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Enfin, la soirée, j'espère qu'elle ne fait que commencer. Surtout en notre présence. Hein. Lors de la précédente live sur le jeu, on avait fait les trois premières missions. Enfin, en tout cas, on avait obtenu les trois trophées des trois premières missions. Du coup, on n'avait sûrement pas commencé la quatrième. Vu qu'on se situe en pleine rue. Suivez l'hologramme guide à votre prochaine destination, oui. Mais est-ce qu'il m'emmène bien sur la mission? Oui, apparemment. On dirait bien. Allez, Metal Man. Hey, attention. Norman Osborn ne m'inspire pas du tout confiance. Norman Osborn, enfin, c'est quelqu'un de très intègre. Pas bien de dire ça le jeu. Salut Gabrance, comment vas-tu? T'as passé une bonne journée? Il y en a plein qui veulent dire. Hein. Je sors pas le Metal Man de nulle part. Hein. C'est le jeu qu'il a inventé. Mais ils veulent pas le dire. Je suis pas encore assez célèbre, je pense. Ils me reconnaissent pas. Ça doit être pour ça. Descend un peu. Ouais, c'était beaucoup plus long que je ne pensais en fait. Oui, c'est vrai que du coup, la carte, il faut la découvrir un peu. Hein. Ouais, il faut enlever le brouillard de guerre. On appelle ça. Ben, ça va bien. Hein. Passer une bonne journée, ouais. Enfin, une journée normale. Du coup, on va un peu sur les quais. Ouais, faut toujours. Faut arriver à bien maîtriser le Iron Man quand il veut, quand il veut partir en live comme ça, là, il y va. Hein. Vas-y. Vous voulez aller sur le pont. Ah oui, on va au raft. La prison qu'on voit dans. Surtout dans les Spider-Man qu'on la voit, il me semble. Enfin, c'est surtout là que j'en entends parler, moi, du raft. C'est un peu la misère, hein. Il y a des caisses tout plein, là, le jeu. On va les détruire. Hein. Voilà. Et voilà, c'est fini, je terminais. Au revoir. Ah, Captain Igloo est content. Hey! Mange des bâtonnets, ne l'oublie pas, hein, des bâtonnets de poissons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Hey! Non, je lui parle. Génial! Vous avez réparé le ferry. Je vais pouvoir. J'ai juste bougé deux caisses, c'est tout. À Rikers Island. Par contre, si vous voulez monter. Ouais, Rikers Island. Plutôt le raft est peut-être dans. Ce serait dans Spider-Man le raft et du coup c'est pas la même chose. Donc sinon le raft c'est peut-être une section de Rikers. Alors je peux aussi utiliser des points de véhicule, oui ça, on le sait. On va reconstruire des choses. Un portail, un distributeur. Une machine. Certainement. On récupère un petit bon en tout cas. J'espère que ça va lui suffire. Allez Iron Man, fais pas ton chiant là. On veut juste sauter, faire un petit mètre et on se retrouve quasi déjà à Rikers. J'ai pas besoin de toi, tu sais, je peux voler moi. Bon après, mon copain la Hulk, il y arrivera pas. Ah, on achète le billet évidemment. Ouais, sans passer par la case départ, évidemment. Vous ne toucherez pas votre prime de 400 euros. Allez viens, Hulk, n'aie pas peur. Ah, le trajet n'est pas très long. Il ne va pas se passer grand chose. Allez, on y croit, oui, oui. Ah, les obus qui apparaissent quand même au quand on s'approche. C'est dommage. On aurait pu les voir de loin, non? Les petites pièces Lego là.
Pas content. Elle donne. Elle sonne un peu grave, hein, ta cloche. La prison, la prison, qu'est-ce qu'il y a dans la prison? Pourquoi vient-on ici? Qu'est-ce qui se passe dans la prison pour que les super-héros se ramènent? Tu manges en regardant l'œil, bah, t'as bien raison, hein. Bon appétit à toi du coup. Et que manges-tu d'ailleurs? Est-ce que ça a l'air bon? On espère en tout cas que ça a l'air. Enfin, c'est encore mieux si ça l'est vraiment. Allez, Rikers. Surprise, surprise. Au large de la presqu'île de Manhattan, le pénitencier de Rikers Island abrite le quartier d'ultra haute sécurité, connu sous le nom de Raft. Ah voilà, ouais. Si vous cherchez les pires super-vilains au monde, c'est ici qu'il faut chercher. Donc le Raft, c'est bien une partie de Rikers. Après Rikers, ils parlent quand même dans les... aussi, il me semble, dans les X-Men. Il me semble qu'on en entend parler. Mes capteurs détectent des mouvements de l'autre côté de ce mur. Bah ouais, il y a des prisonniers, non? Avec un peu de chance. Bon, un peu. Bah de rien, hein, grand. Wolverine! Donc, on peut voir, c'est pas les Avengers, hein. On l'avait déjà vu avec tu devrais savoir qu'il les 4 Fantastiques. Maintenant. Même s'ils sont le fauve, je te l'accorde. T'étais pas censé être au Canada pour enquêter sur ton passé. Dans le sabre est ici. Chuck m'a dit que Fatalis a convaincu la confrérie des mutants de l'aider. À quoi faire? Qui, Chuck? Chuck Norris? Chuck Norris est dans le jeu? Oh mon dieu, mais c'est énorme! Il y a Chuck! Ah, dans le sabre. Et Mystique! Un épisode X-Men, hein, donc celui-ci. Allez, on rentre. Mauvaise troupe. C'est pas galant, hein, le Hulk. On essaie de passer en premier. Non, 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 moi d'abord. Enfin, moi d'abord en second. Et pourquoi il pleut? Il faisait beau à l'extérieur, non? Avant, enfin, avant, c'est vrai que c'était pas dans la cinématique, il pleuvait déjà, mais... En arrivant dans le jeu, il faisait tout beau. Allez, boîte de conserve. Je sens l'odeur de dents de sabre. Question. Ah, boîte de conserve. Pourquoi Fatalis ferait-il équipe avec Magneto? On va toucher un agent, ouais, c'est bon, on les touche. Je te déteste, puis. Vous allez prendre un parapluie. Oh, oh, oh. Donc, petit Wolverine, il a la répartie, hein. Il va prendre un parapluie. J'avais pas vu venir. Et donc, je vais récupérer des pièces. Ah, mais il y a encore des gens en fait. Ah, merde. Ah, vas-y, ouais, je voulais détruire le truc et il a réussi à le faire, c'est bien. Un bon Hulk. On dirait que t'es un peu chiant là. T'as fait ce que je voulais. Eh ouais, c'est vrai qu'il y a un petit truc, un petit trophée à faire avec Wolverine. Comment qu'on le refait? Je sais plus. Après, faut peut-être plus l'incarner, je sais plus. Bon, on passe de l'autre côté. De toute façon, ça va être plus simple. On va réparer le petit pont. On va créer quelque chose pour créer un pont. Avec les poissons qui arrivaient, qui sont là sur le petit rebord. Hein. Bon, le pont il est assez bon, oui, il est assez bon le pont. Un tisseur de toile. Non, j'ai pas de tisseur de toile. Avec la bonne personne, oui. Tu devrais pouvoir creuser ici. Oui, Wolverine entre autres. Il faut des griffes. Ah,
pour créer, pour pouvoir détruire le mur après. Ah, ici, on a un petit, faut avoir le sens, par exemple, de Wolverine, Spider-Man et autres. Peut-être découvrir quelque chose que lui seul peut monter par ici. On détruit un peu les objets dans la prison. Hein. Faudra rapidement une augmentation pour pouvoir acheter. Ça va être bien, ça va vider les caisses de l'État. Ça fait quoi? Ah oui, on peut mettre ses griffes dedans pour... Ah bah pour activer, enfin pour l'ascenseur. Il va nous servir bah pour eux, du coup. Ouh là, vu que lui, il sera pas monté autrement. Allez. Mais ils sortent d'où ceux-là? Ils étaient dans l'ascenseur, franchement on les aurait vus là s'ils y étaient. Pas normal. Hein. C'est lourd. Je suis gros. Hop. Voilà. Déteste lumière brillante. Alors. Que le plus fort ici. Mais c'est quoi le souci de les lumières brillantes? Bon, il sait faire on sait faire repérer. C'est à niveau infiltration, c'est zéro. Hein. Y a-t-il un guide pour Astérix ou y aura-t-il? Bah aucune idée, hein, Gabran. Si quelqu'un se propose de le faire, oui. Si personne ne se propose, non. Et là, en ce moment, ça m'étonnerait qu'il y ait... Enfin, je pense pas qu'il y ait quelqu'un... Non, pour le moment, il n'y a personne. Oh là! Ah ouais, le jeu, il est déjà sorti depuis longtemps, non? Vu qu'il y a déjà le XXL 2 et 3. Ah ben voilà, le Wolverine, tiens. On peut voir, il est en squelette. Aïe, ah ouais. Parfois, j'aimerais pouvoir me régénérer aussi. Ah ben voilà, le trophée, justement. C'était Wolverine, il devait se faire toucher enfin, être en squelette. Et après, bah, il devait revenir à l'état normal. Il suffit bah, qu'il soit dans l'équipe pour qu'il se fasse plus ou moins naturellement. Il y a besoin de rien faire, il va se faire tout seul. Hein, comme vous avez pu le voir. Oula. Mais on vole. Et prend les pièces en même temps. Ça peut être pas mal. Alors les tourelles sont un peu chiantes. Voilà. Et on a éliminé le plus important, le plus menaçant en tout cas. Et il sort jeudi prochain seulement? Mais il y a... Enfin, ou alors ils ont ressorti le 2 et le 3 avant le 1. Il est un peu... bizarre. Enfin, n'empêche, le mec, le méchant, il attend que je retombe au sol pour me tuer. C'est incroyable. Au moment où j'ai atterri sur le sol, beauf, il me tue. Bah non, du coup, je pense pas que quelqu'un se soit proposé pour le faire. Hein. Ouais, après, de toute façon, s'il n'est pas encore sorti... Alors après, on peut déjà... si ça peut... Sauf s'il y a eu un échange de code et autres. Hein. Salut Olivier, comment vas-tu? Passez une bonne journée? On n'a plus besoin de ça. Au revoir. Placez aussi. On va tout détruire. Démolition. Et bon, ils sont déjà tous morts. On pourra voir qu'on pourra revenir ici avec Dr. Reed. Hein, pour entre autres récupérer bah, le module qui est là-bas. J'ai déjà. Petit passage pour Wolverine. On entend Stanley hein, dans les environs. Il est peut-être bah, caché là-bas, hein, mais je ne sais pas y aller. Ça. Ah non, mais c'est Iron Man. Idiot. Ah. La pièce. Viens par ici, la pièce. On veut la monnaie. Monnaie. Ah, c'était... Bah si, c'était Stanley qui parlait quand même. Parce qu'on a vu un garde, là, justement. Ça se trouve que c'était le garde qui nous parlait.
Non, Iron Man. Ah, le jeu qui te change toujours le mauvais personnage. Ça, c'est Iron Man qu'il faut, ouais. Ah oui. Pour comprendre ce qu'il faut faire, faut mettre le viseur bah, sur les quatre verrous. C'est un remaster pour bah oui, pour Asterix, ok, d'accord. Et je vais bien, hein, je vais bien. Passer une journée normale. Hein. Et en tout cas, c'était une. Enfin, la journée n'était pas trop mauvaise vu qu'il a pas plu par ici. C'est toujours bien quand il pleut pas. Hein. Enfin, pour le moral, c'est mieux quand même quand il fait beau que quand il pleut. Ouais, j'ai pas réussi à les viser. Putain, direct, ils ont rien pu faire, les mecs, ils se sont fait toucher comme des gros kékés. Oula, ça explose de partout. Non, ça, non, je vais vous tuer à distance, c'est mieux. Toujours mieux de vous tuer, les gens. Ne viendez pas m'embêter. Ça ricoche par ici, sérieusement? C'est bizarre. Alors, il y a un peu du mal à venir ou ça se passe comment? Ouais, il a un peu du mal à traverser les ponts tout seul. Il doit avoir une phobie. Et salut Doudou! Ah ouais, bah bien, si tu vises au-dessus là, c'est en dessous qu'il faut. Après, j'ai peut-être pas forcément besoin de ça. Non plus. Vous avez bien mangé du coup, tout le monde, aussi. Alors. Ah, on voit, c'est qui lui? Enfin, non, je sais, c'est Whiplash, ouais, c'est dans Iron Man. C'est dans le 2 qu'on le voit normalement, si je dis pas de bêtises. Il est incarné par. L'autre évidemment, tout le monde a reconnu l'autre. Mickey Rourke. Voilà. Mais après l'autre, je pense que c'était assez suffisant pour reconnaître. Ouais. Le leader, mais c'est qui le leader? Lui, je connais pas, hein, je vois pas qui c'est. Et c'est peut-être Louis de Funès, c'était peut-être lui plutôt. Espèce de bête écervelée. Je suis enfin libre pour pouvoir te détruire. Bon bah je suppose que s'il parle à Hulk, c'est plus dans l'univers de Hulk qu'il apparaît le coco. C'est vrai qu'il y a des univers qu'on connaît un peu, qu'on connaît moins, hein, qui ont moins été représentés au cinéma où enfin, on l'a pas vu tous les ennemis encore pour le moment. Par contre. Pas de pouvoir télescopique avec eux. J'ai pas. Non, je peux pas m'approcher. Avec un pouvoir télescope. Enfin, télékinésique plutôt, j'aurais pu faire des choses. Non, j'ai pas tout ça. Du coup, comment on fait? Si je me rapproche, il va pas vouloir non plus, il me repousse. Ah, mais par contre, Iron Man, il pourra détruire les bouts métalliques. Et je pète la poubelle maintenant. Voilà. Mais je récupère les pièces, laisse-moi mes pièces, moi c'est mon argent. Ah ouais, et là il me prend le contrôle, du coup je dois venir avec un autre pour taper, parce qu'il y a certainement... Chris qui va vouloir venir plutôt pour me taxer mes pièces comme d'habitude. Genre un coup de pied, c'est un but. Magnifique but de Hulk. Il faudrait une arme ou un objet pointu pour actionner cette interrupteur. Oui, Coulson, c'est bon, laisse-moi jouer un petit peu avant de me donner toutes les réponses. Il n'y a même plus le plaisir de la découverte avec Coulson, c'est zéro, hein. C'est vas-y, c'est le mec, je te dis tout quoi faire.
Mais c'est bien, on a réussi à coincer Hulk qui nous embêtera plus. Comme ça, au moins. Ah bah. Il est déjà revenu. C'est bon, quoi. Tu vas pas nous faire des... Tu vas pas nous faire ton flair sur flair pour le même endroit, surtout. Les griffes, c'est par ici, hein. Et tout ça pour quoi ouvrir bah, ce petit passage du raft. Hein. Enfin, non, on est encore dans Riker Island, je pense quand même. Enfin, de toute façon, le raft fait partie de Riker Island. Mais je suis pas sûr que ça soit déjà exactement le raft. Je sais pas, on peut passer. On peut passer normalement, non. On peut pas du tout passer. Merde. On passe dans l'autre sens. C'est juste pour ressortir ici. Le mec, on peut ressortir par cette fenêtre, mais on peut pas y rentrer. Hein. N'importe quoi. Alors bon, qu'est-ce qu'il nous veut toujours, Whiplash? Il met de l'électricité pour ouvrir la cellule, certainement. De l'abomination. Ah non, il l'ouvre pas. Il la rend un peu plus impénétrable. Après... On peut peut-être essayer de lancer les ennemis dessus, hein. L'électricité, ça les touche aussi, hein. C'est bien, Iron Man, vas-y. Lance tes roquettes dessus, pour les gens. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On a des choses à faire avec là-bas dans le décor. Même pas, si. Pour reconstruire. On va reconstruire quoi? Ah bah ça c'est pour Metal Man. C'est lui le plus intelligent de la bande. Enfin quoi que non, Hulk était quand même assez intelligent quand il est en Bruce Banner. Hein. Il est quand même scientifique. Il aurait pu le faire. Allez vas-y, on va contre-courir le coup de circuit là. Bzz, tiens, bzz. Il est pas content, hein. Et il a un beau t-shirt, poster anti-Hulk à côté. Bon, mais c'est encore notre coco, voilà, tout ça pour faire réapparaître Hulk juste après que je contrôlais déjà. Change de personnage quand tu as déjà le bon, quoi. Juste pour avoir un petit truc. Ok, voilà, on a envoyé je sais pas où. J'en fais de ça. J'ai déjà le pouvoir qu'il faut, non pas du tout. Ah non, il faut le un pouvoir magnétique. Ça avec lui je peux. Le pouvoir aussi, oui. Ah. C'est bon, hein. Tu peux taper celui qui est à côté de toi, sinon, hein. Si celui qui est parti il veut pas se faire taper, c'est pas grave. Hein. Toujours plein de bonhommes en Lego à tuer. Hein. Y'en a d'autres, hein. Si celui tu veux tuer ne veut pas, c'est pas grave, y'en a d'autres. Ah, donc il faudra ramener Wolverine par ici. Ah, mon dieu, mais qu'ai-je découvert? Un moyen de monter ce mur. Alors qu'un double saut est largement suffit, j'en suis sûr. Alors que j'ai le double saut, c'est incroyable. Pourquoi cela ne se fonctionne-t-elle pas? Ah ouais, après Doudou, j'ai l'impression que je sais bannir plus que 600 secondes avec bah, PSTH et TV. Hein. Bon, après, je vais pas le faire non plus, parce que sinon, j'ai peur de faire des bêtises sur une personne qui ne le mériterait pas, ça serait dommage. Et du coup, on a ouvert la grosse porte qui était là-bas. Lâche le câble. Ça ira plus vite en sautant. Donc ouais, ça me fallait le pouvoir magnétique que je n'ai pas. Ça, il faut aussi du pouvoir magnétique, suivi de Dr. Reed. Des trucs que je peux pas faire de toute façon comme d'hab.
C'est un petit peu énervant ça. Par moment. Et ils sortent. Ils sont combien là? Ils sortent à l'infini. Et on sait même pas de où. Ils sortent de nulle part. Et à chaque fois ils venaient de. Ah non, ils viennent d'en haut, d'accord. Ils viennent d'en haut. Ouais, ils popent en nombre là les gens. Bon, t'as à peine le temps de rien faire qu'ils leur popent déjà 5 autres. Ouais, je les tue assez rapidement. Donne-moi les pièces, donne-moi la thune, baby. On veut la thune, la flouze. Voilà, cette machine devrait localiser dans le sabre pour nous. Ouais, ils ont besoin de localiser dans le sabre, ils ont encore besoin de faire ce genre de choses. C'est pas assez con facile, non, dans une prison. Bon, il a pas l'air d'être là. Et c'est les énigmes sont très très compliquées, hein. Vous pouvez voir, hein, Deadpool. Salut. Bon, on suit le chemin, hein. Ah, il y a même Stanley. Coucou. Mais il faut que je file. Mais il faut que je file. On sait à quel étage il est. Jarvis, tu prends le contrôle de l'ascenseur. Il faut qu'on y arrive maintenant. Très bien. Je me connecte à l'ascenseur. Allez Jarvis, fais des choses. Connecte-toi à l'ascenseur. Entre ton port dans l'ascenseur. L'ascenseur. Tiens, prends ça Iron Man. Allez, deuxième zone. Vous arrivez pile poil pour la grande évasion. Ouais, dis donc, on en rencontre des ennemis ici. Crâne rouge, Carnage, le Rhino. Stanley. Ah, le plus vil de tous les méchants. Est-ce que c'est considéré comme un Stanley sauvé, celui-là? Et Magneto, évidemment. Les super vilains sont partout. Super vilain, dites bonjour à ma super armure. Oui, cette armure. Je m'en vais l'arranger un peu. Eh ouais. Son armure, Iron Man, elle sert à rien contre lui. Hein. C'est moi ou il fait un peu frais ici? Mais il lui a laissé son casque quand même, hein. C'est pas mal. Alors on passe à toi. Et du coup on a perdu Iron Man. Allez, hein. Viens là, mec. Ouais mec. Hey mec. Elle est où ma caisse? Ah mais je contrôle Hulk. Vas-y, on fait grimper le compteur. Ouais, il est déjà tout descendu à zéro. Ouais, il redescend trop vite, hein. Pouvoir psychique que je n'ai pas. Non, magnétique plutôt. Comment faire? Ah. Ben là-dessus. Faudrait lancer quelque chose de lourd sur Dans le Sabre pour le neutraliser. Ouais, ben on va construire cette chose et on va lui lancer dessus. Bon, il y a que ça qu'à faire. Espérant qu'il le vise bien automatiquement, ouais, c'est bon. Ouais, mais c'est un bon moment pour se faire de l'argent, hein. Pour essayer d'avoir une brique dorée, hein, avec le True Believer. Ah c'est bon, là je suis monté en plus de ça multiplicateur x10, le maximum, après si je récupère encore pas de pièces ça sert à rien. C'est vraiment à ce moment là que j'aurais dû ramasser des pièces, j'en ai pas ramassé une seule j'ai l'impression. Allez, on va sur la deuxième plaque sur les 4. Pas compliqué. On répare. On lance le gros fauteuil. Hein. Deux, trois, quatre, cinq, sept, huit.
Putain, encore l'angole, wouhou. On va arriver au Tribu Liver, à mon avis ça doit être à 150 000. Et voilà, je l'ai. Ça fait une brique dorée à la fin de cette mission. Pas très compliqué, hein, le combat de boss. Ah, il y a les deux plaques qui arrivent en même temps maintenant. Désolé de vous interrompre, mais nous devons partir. Prends l'objet. Voilà. C'est pas grave, tu peux le jeter n'importe où, comme un grenade, évidemment. Prendre avec sac à foutre. Ne pas savoir viser. Ouais, bon, on a eu le... Ah, ben non. Il est déjà... Il faut plus le reconstruire, ça c'est bien. Et voilà. Non, dans le sabre, on l'a eu. Merci, Gabrance, merci à toi. Pour le GG, hein. Ah non, Magneto. Il nous file entre les doigts. Et du calme, hein, Wolverine. Comment ils ont foutu les griffes, c'est quelque chose. Il les tient, ces griffes. Enfin, on avait vu que dans le sabre aussi, mais la manière dont ils les tiennent tous les deux, elle est différente. Ah, l'abomination, encore lui. On l'avait vu lors de la première mission, hein, de... Enfin, grande centrale. Avec l'homme sable. Youhou, au revoir. Des bisous. Vivement le nouveau Lego Skywalker Saga. Ah ouais, bah oui. C'est vrai qu'ils sont bien sympas les Lego. En plus de ça, les Star Wars, genre, bah, j'en ai fait encore aucun. Ah. Lui non plus n'aime pas la lumière. Réussir à l'aveugler par contre. Il y a des choses, non, on voit rien avec le gros camion du shield, on voyait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. On va pouvoir voir maintenant. Rien. Juste des pièces, c'est déjà pas mal, mais bon. Ah, mais on a plus Iron Man, comme on le disait, on aurait pu détruire ça avec lui. Et oh, j'essaie d'aller là-bas, moi, le jeu. On va creuser. Ah, c'est une échelle, ça. Hop, on va faire un petit peu le tour de la zone. De cet étage en tout cas. Putain, ils en arrivent en veux-tu en voilà, hein, des méchants. Bah voilà. Apparemment. Voilà, avec eux que j'arrive à détruire. Ce que j'arrivais pas à faire avec notre ami Wolverine. Il y a quoi qui me bloque? Y'a rien. Laisse-moi. Et quoi? Je peux vraiment pas passer là? Y'a rien qui me bloque pourtant. Bon, pas bien, hein. J'aimerais pouvoir me régénérer aussi. Un peu comme toi. Eh ouais, bah. Tu n'es que humain, malheureusement pour toi, Coulson. Et ce qui est déjà pas mal, hein. Non. Ça me fait rien. On va pouvoir aller sur la première grosse lampe torche. Non, restons, parce qu'ils ont tendance à pas repartir. Mais... Va là-dessus, voilà. Hop. On reste dessus assez longtemps. Vas-y, on t'éclaire. Ça m'aveugle. Bah oui, c'est le but. L'abomination, on va pas que tu voyes. Boum, baf, gauche, droite. Un petit uppercut à un moment donné, ça serait pas mal. Non, pas tout de suite. Bon, on a fait un là. Ah, bah un petit uppercut, mais dans le ventre, ça se fait pas, hein. C'est au visage, hein, qu'on frappe, Hulk.
cas, dans le sabre, on a vu que les premiers tirs c'était pas trop ça, hein, vu comment il n'arrivait pas à toucher la lampe torche. On va prendre à viser, hein. Oh, pff, mais je monte dessus. Hulk il monte tout seul et puis il se fait dégommer 3 secondes. Dès qu'il monte en haut, il se fait dégommer, quoi. Faut arrêter ça, le jeu. On a pas le droit de se faire toucher dès qu'on reprend le contrôle du personnage. Les jeux de construction ne sont pas faits pour toi. Voilà, tout de suite. Je peux rien faire avec Hulk, c'est dommage. Pourquoi il serait pas assez... Il devrait pouvoir construire, je suis sûr qu'il sait construire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bon, l'abomination, là, j'essaie de prendre le trampoline dans le jeu. Ah, purée, c'est dégueulasse. Il m'a roté à la gueule. Je crois qu'il m'a roté à la gueule. Et là, l'abomination qui est sur mon trampoline. Il m'empêche de jouer. Dégage. Merci. Ah, voilà. Et du coup, il a récupéré toutes mes pièces, là, l'abomination. Salopard, là. Alors, ça repasse. Je suis pas en face, ou quoi? Pas rien. Il y a une belle torche qui nous bloque tout. Voilà, allez, deuxième. C'est pas trop compliqué. Et on va pouvoir lui refoutre des gauche-droite dans la gueule. Mais pour le qui piquerait du pain dur. Hein. Boum boum boum. C'est moi qui ai raison. Et toi, bon, oh, il retape dans le ventre. On fait pas ça, Hulk. Alors, on va voir est-ce qu'il vise mieux dans le sabre. Les premières, c'est pas du tout carrément ça. Hein. Comment il tire vraiment à gauche. Faut viser hein, la première fois. Hein. C'est pas interdit. Hein. Et pourquoi? Mais... C'est surtout le jeu, pourquoi il me redonne le contrôle de Hulk à chaque fois que je redescends, on sort de la cinématique. Avec Wolverine et tu prends le contrôle de Hulk comme ça. A rien demandé. Ici. Ascenseur, on monte par ici. Dans l'autre sens. On va passer, bah on a passé les 200 000 justement de pièces, c'est bien. Merci. Du coup, c'est avec lui ça. Oui, on peut faire quelque chose. Ah, on en a que 1 sur 3 là. On n'a pas vu les trois autres, enfin les deux autres. Ouais, c'est un petit peu tard pour essayer de les chercher de toute façon. Ça va pas nous aider grand chose pour là, tout de suite, hein, pour aller le chercher plus tard. Un triangle, maintenant propose-moi le triangle, t'as pas arrêté de me le proposer avant là. Là voilà, il est redescendu. Allez le jeu, tu te fous de ma gueule. Mais pourquoi tu retombes à chaque fois? Ça c'est chiant franchement le... Le jeu me propose d'appuyer sur triangle, j'appuie sur triangle pour y aller, tu me changes le personnage à la place. Et nos persos qui ont toujours envie, la mauvaise idée de vouloir se rejoindre à tout prix. Tu peux pas leur dire vas-y, toi tu restes là pendant que moi je fais ça. J'appuie sur l'orange, mais frappe, mais arrête l'abomination, te frappe pas, enfin c'est inutile. Je peux le faire tout seul, ça, de te frapper. Hein. Oh. Ah, et voilà, on a eu l'abomination, on devrait avoir ma dent de sabre, hein, je suppose. Il va pas s'échapper quand même. Avec son. Enfin, la casquette. Sa capuche. Wolverine qui est derrière, enfin qui est dans le dos. Qui d'autre s'est échappé? Je sens l'odeur d'autres super. Souvent, quand je platine, je fais avec des vidéos d'un anglais qui fait des jeux Lego. Ah bah d'accord. Asgard, il faut qu'on le prévienne.
Bon, après, enfin, si, c'est vrai que les par moments, il y a quelques trucs qui sont assez compliqués, enfin, assez compliqués, qui peuvent être un peu assez relous, mais sont. Non, ça va la plupart du temps quand même pour les jeux Lego. Et du coup, ben, on a pu voir que Loki en a profité aussi pour fuir, ainsi que Magneto, qui a été avec l'aide de Mystique. Donc on a on débloque plusieurs personnages, ça c'est bien. Il s'appelle Happy Thanksgiving, je sais pas si tu connais Pilo. Je crois pas, non. Non, ça me dit rien. On va regarder à l'avenir, demain ou autre, quelques-unes de ses vidéos pour voir. Donc on va avoir une brique dorée, ça je l'avais dit. On en aurait une parce qu'on a fini le niveau, non? Ça, on en a pas. Donc 14, 15. Ouais. On va continuer, on continue. Bon, allez, c'est quoi la suite? Ah ouais, du coup, évidemment, Ned Stark... Bon sang de bois. Il n'a plus rien. L'Amérique de crâne rouge. Il a fracassé le pantalon. Ouh, il regarde en plus, hein, Iron Man, il regarde le petit coquin. Flexible. Ah, le savoir-faire américain. Je dois poursuivre ma traque. Mais il est toujours avec son calbut à petit cœur. Tony, retourne dans la tour Stark. Tony, oui, pas Ned, qu'est-ce que je raconte? Ne ça, ouais, Ned. C'est dans Game of Thrones, ça. Débile. J'ai créé une tenue l'autre jour. Je me disais bien qu'en disant net, ça me tiltait que c'était pas bon, mais je trouvais pas. Allez à la tour Stark pour vous préparer. Et donc, ben voilà, on a un nouvel habit pour Iron Man. Hein. Par contre, du coup, évidemment, vu que j'ai pas les jambes et tout, enfin, l'armure des jambes, je ne peux pas voler. Je ne peux pas non plus balancer de rayons laser. Du coup, c'est un peu c'est le Tony Stark du pauvre, hein. Ou l'Iron Man du pauvre, on peut rien faire avec. On va reprendre le bateau, c'est bon le ferry, il faut pas un ticket retour ou ça fait aller-retour, même si c'est pas les mêmes personnes à l'aller qu'au retour, c'est pas trop grave. Oui, après je peux aussi utiliser un truc pour autre chose pour revenir directement à la base, enfin les 10 porteurs qui se trouvent... on le voit pas, il est tellement haut. Ah non, il est là-bas derrière. Je me verrai pas parce qu'il est là-bas derrière. Non, non, c'est une tour, ça. Il n'y a pas pourquoi il faut que j'aille à l'héliporteur, il faut que j'aille à la tour Stark, ils ont dit. On va voler une voiture. Ah non, voler une voiture, on ne vole pas une voiture. Hé hey, je rachète ta voiture, merci. Tu montes? Ouais, les gens ils veulent pas, ils sont fatigués les gens. Comment crois-tu qu'ils font, hein, Iron Man? Tout dégagé, pardon, j'ai racheté ton taxi, toi aussi j'ai racheté ton taxi, c'est pas trop grave. Oui, mais ça sert à rien, il faut que j'aille à la tour Stark, t'as dit. Si c'était à l'héliporteur, je veux bien, mais ça sert à rien. Toujours, attention, on va tourner. On tourne. Ah, on a bien tourné, hein, franchement. Pas d'accrochage, c'est une belle voiture. Ah, désolé, le taxi. Il n'y a que les taxis que j'aime pas dans le jeu, apparemment. Les autres voitures, j'arrive à les esquiver. Le taxi, par contre, ils prennent cher à chaque fois. Hein. Ok, c'est le bus, là, c'est lui qui fait des choses... C'est de sa faute au bus, c'est pas la mienne. Il faut les tourner. Faut que je tourne, faut que j'arrive à faire demi-tour. Attention, on fait demi-tour sans toucher le taxi. On fait demi-tour. Aïe, on a eu le poteau. Mais on peut voir qu'il y a un magasin de comics ici. Hein. Si vous voulez acheter vos comics, n'oubliez pas, vous pouvez venir dans celle-ci, à côté du deli. Hein. Il y a un petit vendeur si vous avez faim après. Derrière la tour Stark, du coup, hein, ne l'oubliez pas. Il y a un vendeur de comics, hein, c'est les bons tuyaux, pauvre taxi. Et on n'a même pas les clés de la porte. Oui,
C'est bon, comment on va faire? Il va juste falloir faire preuve. Faut une vérification à deux... Enfin, une authentification à deux vérifications, ça, on va faire comme ça. Non, non. Mais ça suffit pas, ça suffit? Donc oui, ça va suffire. Évidemment, c'est évident, hein. Il peut rentrer chez Tony Stark. Mais Captain America, hein. C'est logique. Là, sur le mur, on n'a pas quelque chose qui puisse s'emboîter. Hé, Coulson, tu peux donner tes indices avant que je les résolve? Que je résolve l'énigme, ça sert à rien, hein. Mais non, j'essaie de changer de personnage, le jeu. Alors, c'est très compliqué. Que faire? Non. Ah, on retourne sur la flèche, ça a l'air d'être pas trop mal. Ah. C'est... Je me creuse les méninges pour résoudre ces énigmes. Oh, y a, j'ai mal à la tête, c'est trop compliqué. Oh, j'ai réussi. Trop fort. Oh. C'est la mission. La Tour Stark. La Tour Stark domine Manhattan. Il s'agit d'un centre de recherche technologique de pointe ou d'un monument érigé à la gloire de son propriétaire. Question de point de vue. Ouais. Alors, solution 1 ou solution 2? Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon armure de soirée? Elle ressemble à un costume. Pour les combats plus classe. Je suis en retard, chérie? C'est quoi cet accueil? Jarvis, c'est moi. La tête en gros plan là. Ah, on a piraté Jarvis, hein. Il fallait faire l'authentification à deux, enfin la vérification à deux authentifications, hein. Un mot de passe, c'est nul maintenant, hein. Ça ne suffit plus. C'est moi qui fais ça aux autres d'habitude. Ah, tu sens ce, tu ressens ce que ça fait. Ils se sont fait avoir les messieurs, qui des idiots. Vous allez tous mourir. Génial. Si Jarvis s'est fait pirater, mes armures sont compromises. Toutes? Oui, elles sont toutes connectées au serveur. Ah non, sauf une. À déteindre ces lasers. Non, pas dans ce cas-là. Mais je devrais pouvoir. J'ai juste besoin d'une borne d'interface. C'est bon, on va trouver une borne d'interface, on va tout détruire dans ton labo, ça va le faire. Hein. C'est, de toute façon, c'est toi qui paye, hein. C'est, ça va, c'est, t'es d'accord, hein. Ouais. Allez, on ouvre ce portail. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un peu des robots qui travaillent sur une armure, c'est ça? On espère que c'est une armure et pas un corps de je ne sais pas qui. Vas-y, on va être sûr, on va être sûr. On détruit tout. Comme ça, ce qu'on détruit, Jarvis ne pourra pas l'utiliser contre nous. C'est dans ce but-là essentiellement, hein, pour ne pas mourir par après. Hein. Et puis après, ça, vu que Tony Stark va devoir tout racheter, c'est bon pour l'économie, hein. Ça fait vivre les petits commerçants. Et tout est pensé, tout est réfléchi, hein. Make America great again, hein, comme le disait l'autre. Non, je vais récupérer les pièces. Le mec qui annule tout pour deux petites pièces de rien du tout. Oh, c'est super compliqué, franchement. Ah, ouais, je suis un bon hacker, hein. Vous avez vu mes compétences dans le hackage? Ouais, c'est plus ou moins. T'as le bon tempo, Coco. Ah, ben, tu l'as pas, toi, le tempo, apparemment, Tony. Non, ça, je pourrais pas encore. Oui, je passe juste à temps. Hey, on reconnaît, c'est le garage de Tony. Si vous avez vu les films, du moins vous pouvez reconnaître.
Putain, le laser de la mort. Détruis-toi toi-même. Un gros naze. Aïe, aïe. Steve Rogers n'aime pas l'électricité, par contre. Et tu ne l'as pas. Il est juste là. De l'autre côté de cette porte sécurisée. Il y a des armures là-haut. Ah oui, ah oui, c'est X pour monter, c'est ça. Je vais venir vers moi. Faut aller par là-bas. Oui, il y va tout seul, c'est bon. Voilà. C'est très compliqué. Est-ce que vous reconnaissez l'armure? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous l'avez reconnu? Le MK1. Elle est un peu vieillotte à mon goût, mais ça devrait faire l'affaire. Celle qui fait en Afghanistan, hein. Avec du rien du tout. Aldrich Killian. Ouais, mais non plus, je vois pas qui c'est. Des méchants que je connais. Et du coup, bah, avec cette armure, on vole pas. Hein. On arrive à plus ou moins à flotter à 3 cm au niveau du sol. Mais par contre, on peut retirer des lasers. Enfin, des roquettes. Pas des lasers. Bon, c'est peut-être pas non plus forcément des roquettes. Mais on peut tirer, voilà. C'est le principal. Attention, et il y en a beaucoup des ennemis par contre, là on peut le voir. Vas-y, laisse-moi récupérer toute la thune là, toute la thune, en multiplicateur x10, oh c'est magnifique. C'était magnifique, j'ai beaucoup aimé. Toute cette thunasse, ces pépettes. Là par contre c'est un ascenseur où il faut être deux, donc pour les personnes seules c'est pas très pratique. Mais c'est quoi là, ce mec qui fait venir des ennemis dessous le sol là? C'est dégueulasse. On dirait des démons de l'enfer, franchement. Salut Lego, salut les gars, ça va bien Vassili, toi aussi j'espère que tu vas bien. T'as bien mangé? T'as passé une bonne journée? Ah mais c'est quoi là, c'est la kryptonite ou pas du tout? Bon je sais bien que c'est pas le bon idée. Ah bah on a Stanley, coucou Stanley, qu'est-ce que tu fais chez moi? Faire au moins une fois, sauvegarder et continuer au cas où on pourrait être victime d'un petit souci techonique, pour ne pas dire techonique, mais si je l'ai dit en fait. Ah mais non, j'ai pas le bon personnage. Bon ben Stanley, tu vas devoir encore tenir au moins 3 ans, j'espère que tu vas le faire, hein. C'est pour toi que je dis ça. On a Jervis qui nous suit. Manger la galette ce soir, très bon. Tant mieux. La galette des rois, c'était déjà maintenant la galette des rois, on m'a rien dit. Aïe. Ah mais non, il y a une barrière rouge que j'avais pas vue. T'as eu la fève au moins. Demain soir en vacances. Ah mais c'est magnifique, moi aussi demain soir je serai en vacances pour le week-end. Comme tous les week-ends en fait. Donc c'est pas spécialement des vacances, mais ça sera un week-end, ce qui est déjà bien. Mais sinon, ouais, vacances, combien de temps? 1, 2, 3 semaines? Bon. Allez, ouais, il faut spammer la touche carré. On fait bouger le petit robot. Ouh, et merci Andro pour ton resub. Ouais, du coup, j'en train de balancer des roquettes dans tous les sens pour ton 11e mois. Merci à toi, Andro. J'espère que tu vas bien.
Aïe, aïe, le feu, ça brûle. Mais on peut le passer avec un bouclier. Vous aussi, prenez un bouclier si vous avez des flammes. Vous pourrez passer à travers les flammes. Enfin, surtout s'il est en vibranium. Ne tentez pas ça si vous n'avez pas de bouclier en vibranium. Je répète, ne tentez pas ça si vous n'avez pas de bouclier en vibranium. Après, on va encore dire que j'ai dit des choses, moi. Ça va m'énerver. Ah, le torosub, c'est une mauvaise touche. Ah, ben, c'est dommage, hein, mais merci, en tout cas. Tu peux continuer à faire des mauvaises touches. Hein. Des comme ça, non, on veut bien. Une semaine de vacances, Vassili, bah c'est bien ça. Bah en tout cas, profites-en pour te reposer, hein, reprendre des forces. Faire de la moto, pourquoi pas. Aïe, attention, il y a des gens qui l'attaquaient, les démons de l'enfer sont revenus. Ah, évidemment, on n'avait pas le bon personnage, on est mort. Tu tapes un mec et tu tapes celui qui est en train de spawn, donc invincible, et puis tu tapes le truc qui est derrière, donc je peux pas tuer. Steve Rogers, t'es pas doué. Juste que tu valides hors stream. Ah bah oui, bah, pas grave. Bon. Je vais cracher la thune quand même, vas-y, n'aie pas peur. Sinon je te balance des boucliers sur la gueule. Ah d'ailleurs, Doudou, il voulait que je teste si je savais ban plus que 600 secondes, et il voulait que je le fasse sur toi. Vu qu'évidemment, tu n'assistes pas à ses lives, il est très déçu. Et il veut se venger comme ça. Non, Iron Man, c'est pour l'économie hein, que je fais tout ça, Iron Man. Hein. Faut pas m'en vouloir. Hein. Ah, je peux tirer avec deux roquettes avec lui. Avec cette armure-là, plutôt. Quel édifice impressionnant, Stark. Ça, c'est ce que j'appelle une vue. Eh, ouais. D'accord, on n'est pas tout en haut. Ah, on voit rien avec la tête de Jarvis. Mais tape pas ça, tape les gens, crétin de Steve. Non, ça se voit, tout est dans les muscles, hein, Steve. À un moment donné, faut travailler l'autre muscle aussi, hein. Celui qui est dans la tête, hein. Bah ouais, ça c'est Doudou, hein. Qu'est-ce que tu veux, Andro, c'est pas ma faute, hein. Tu noteras que je ne l'écoute pas, là, je ne le teste pas, hein. Ça serait pas mal qu'il y ait un genre là qui est juste un petit bot là pour voir. J'ai déjà oublié le nom comme je disais. J'avais eu du mal à voir la première fois avec évidemment notre ami Jarvis qui se met en plein milieu. Je l'avais pas vu moi sur ma partie. C'est lui qui me fouille en faisant des lives à des heures où je travaille. Bah ouais, t'as vu ça, il est pas sympa. Il veut pas trop qu'on vienne le voir. Il y a quelque chose à faire avant. Ah, on sait peut-être détruire ça avec lui. Pas du tout. Si. Mathieu. Non. Non, il me faut notre armure. Mais non, c'est là-dessus que je vise. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, mais si, peut-être. On activerait comment? Parce qu'il y a moyen de monter cet ascenseur en principe. Ah, ou c'est dehors? C'est dehors ou c'est à l'intérieur ça? Non, c'est à l'intérieur. Ah, mais c'est non, c'est un truc comme ça, c'est un levier. Pour réussir à bien comprendre le jeu. On voit pas bien. Vas-y. L'ascenseur va fonctionner directement. Ah, bah c'est un ascenseur avant. Et non, un ascenseur arrière. Ouais, par contre, il va falloir sortir ici. Il va falloir casser. Voilà, le ventilo, au revoir, parce que maintenant, sinon je peux pas descendre.
Mais c'est quoi tous ces gens qui ont envahi ma maison là? Cassez-vous les gens, franchement. Il en faut combien des gens pour cambrioler une maison? Enfin, ou tuer une tour, on avoue. Et bon. Et hop, on remonte en x10. Faut ramasser de la thune, faut ramasser de la thune. J'aime l'argent. J'aime les pièces. Là, on pète tout. Alors, un petit puff ici, des petits trucs. Bon, on peut faire des choses ici avec Captain America. Bon, il manque un petit rayon. Je descendrai bien d'abord. Allez, je descendrai pas du tout. Évidemment, je voulais pas descendre, hein. C'était pour rire. Hein. Le jeu, pourquoi t'as cru que je voulais descendre? Ah non, 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 non. Oh, vas-y, mais. Je suis pas mort. Je suis mort. Le truc, on peut arriver à pas être bien axé, franchement, c'est dégueulasse. Ah, évidemment, il faut un tisseur de toile. Cool. J'ai rien du tout par ici, je me casse. Je reviendrai plus tard, peut-être. Si j'ai envie. Non. Je suis pas que c'est. Mais vas-y, quoi, le jeu de brin, mais. Il est mal bruit. Pourquoi c'est pas. On devrait pas pouvoir aller en avant ou en arrière. Hein. Mais. Il me le refait, hein. Ça m'énerve. Le truc, il. On voit pas. On voit rien. Mais. Et je peux même pas changer de personnage. Je suis obligé de mourir, de perdre toutes mes pièces. Bah. Mais vas-y, quoi, il me saute à chaque fois en avant. Qu'est-ce qui est chiant, là? Si, c'est bon, là, maintenant, tu remontes en haut. Et glisse, il glisse. Il est dessus, il veut pas sauter, il glisse. Ah, mais je vais... C'est la débandade, hein, là, franchement. Ah, mais non, c'est ici, pour Hulk. Je veux que je fasse ici, hein. Y a pas des choses à faire, hein. Il faut le bouclier de Captain America, mais pour ça, il faudrait peut-être avoir un rayon laser à retourner, j'ai pas... est-ce que je peux sauter avec Iron Man, quand même? Ça me semble... Bon, je peux pas avec Iron Man, donc je vais remourir avec lui aussi, super. Bon, j'adore perdre mes pièces pour rien. C'est beau, quand même. J'ai envie de pousser ça, mais ça a pas l'air de vouloir se pousser. Bah ça voulait pas pousser tout à l'heure. Ouais, bah voilà, simplement. On perd 3 milliards de pièces facilement, pour rien. Voilà les rayons laser poussés. Maintenant je vais bien prendre Captain America. Non, ça sert à quelque chose maintenant. La porte, puis ouais. Il a compris que l'électricité, enfin que la porte était chargée, du coup il pouvait s'éteindre les rayons laser, c'est magnifique. Vas-y, rends-moi mon argent que j'ai perdu. Il m'a énervé. Ça sert vraiment à rien ces caisses, ça sert à rien à faire. La porte tapée dessus, ça sert à rien. Hein. Oh, on a notre gros rayon laser, c'est ça? Non, non. Oh. Ah ouais. T'as le temps de rien faire. Direct, il est là, il spawn, boum. Putain, je vais d'abord tuer Jean-Claude avec. Voilà.
C'est Jarvis qui nous poursuit tout le long. Hein. On t'a vu, hein, Coco. Tu passes pas inaperçu en rouge. Hein. Tu ferais presque penser à Crâne Rouge. On l'avait pas vu juste avant, on aurait pu dire que c'était lui, mais non. Allez, on ouvre la porte. C'est bon, tu hein, Steve. T'aurais pu sortir Désolé. Beaucoup trop tôt. Mais quelqu'un contrôle mes systèmes. Bon, mec. Waouh. Trop cool. On n'a pas le temps. Ouh, boum, j'en ai tué pas mal d'un coup là. Et voilà le True Believer, c'est bien, c'est un plaisir ça à chaque fois. C'est la parole d'une deuxième brique jaune. On adore les briques jaunes. Ah, lui il est bien fait, il est pas cassé. Va falloir, évidemment on a vu, renvoyer le rayon pour l'autre. Hein. En réussissant à passer au-dessus quand même, pour ça se trouve ils peuvent nous tuer. Récupérer les pièces, là. Là j'ai touché mais ça va, je suis pas mort. Vas-y, renvoie le rayon sur le bon endroit. Vas-y, recharge. Piratage de Jarvis. C'est fait, c'est bon, on a réinitialisé les systèmes. Déploiement immédiat de l'armure MK42. Faut que je m'habille. Allez, à poil. À poil. Et ouais, vas-y, c'est Steve qui va mettre l'armure. Vas-y, Steve, mets l'armure. Oh, il peut pas mettre l'armure. Mais ici, de toute façon, il faut d'abord détruire le mur jaune. Allez, mets ton armure, du coup. Essaie d'utiliser ton laser pour découper une forme. Mais qu'est-ce que l'armure MK42 a de différent par rapport à la MK6 qu'on avait normalement juste avant? Parce qu'on a toujours les roquettes. La différence, et qui fait que Iron Man est du coup un personnage bien utile lors de la fin de jeu, enfin en armure MK42, c'est qu'on a du coup le laser pour les formes jaunes dorées en fait. On a le personnage qui peut utiliser du feu, et ça c'est bien. Donc on pourra détruire les trucs dorés et les trucs argentés avec cette armure là d'Iron Man. Et ça c'est bien. Alors Loki, Mandarin, toujours Killian là, Aldrich. Loki, on ne bouge plus. Vous êtes cerné. Toutes mes excuses, les moins sincères. On est deux, vous êtes trois, vous êtes cerné. Il faut une source d'énergie puissante à moindre coût. Alors tu ne t'es pas trompé sur la marchandise. Ce n'est pas la seule chose qu'on ait volée. Où est-ce que tu vas? C'est Loki. Un demi-dieu. Bah, surtout lui en fait. Autant un demi-dieu à la limite, vous pouvez le croire, mais Loki, pas du tout. Hein. Tout le monde le sait, ça. Si vous êtes assez idiot, on est un peu rien. Hein. Je m'en vais vous corriger, Avengers. Une vraie leçon. Ça suffit, le malandrin. J'en ai assez entendu. Le malandrin. Et tu connais le malandrin, là? C'est un ennemi, là, dans Metal Man. Wouhouhouhouhou.
Comment tu aurais dû le prévoir, Stark. Ah, voilà, je suis pris de contrôle par Mandarin, ou Malandrin. Et du coup, maintenant, on peut le taper, lui. Ouais. Bon, bah, ça va être comme ça, hein. Je tue les gens, je vais me faire contrôler, je change de perso. Je table. J'ai mis petit à petit, hein. Ça va être passionnant. Ah bon, on va récupérer celui-là quand même pour dire d'en avoir eu un. Oh, allez. Et du coup, faut faire quelque chose de spécial pour se faire avoir plus rapidement ou pas du tout? Ah, quoi qu'il est en haut quand même, le mandat. Ah, il va arriver. Il n'existe rien. Ah, il est juste là. Il est remonté en haut, le mandarin, on peut le voir sur le balcon supérieur. Vas-y. Et il va redescendre dans le mandarin là quand même, ouais c'est bon il redescend. On va se faire un verre. Ah j'ai changé, c'est Steve que tu as eu cette fois-ci, pas moi. Oh oh oh, la bonne blague. Jamais vous ne comprendrez ma vision de l'humanité. Je vais retourner. Le mandarin qui prend le Hulk Buster, c'est ça non? L'armure contre Hulk. Ah va falloir tuer 38 sbires. Oui. De faire tout ce que Hulk sait faire. Oui. Oui. En plus de tirer des rayons laser là. Faut pas que Hulk sache faire ça. Hein. Et ni voler. Donc c'est meilleur que Hulk apparemment. Hein. Il n'y a même pas besoin d'être en colère. Non, c'est mieux. Bon, c'est juste en métal. Par contre, du coup, contre Magneto, c'est ça vaut aux tripettes. Hein. C'est bon, là. On les a tous eus, là. Enfin, les gens ont pu demander. À un moment donné, faut pouvoir passer à la suite, le jeu. Il m'a demandé 38 bonhommes, j'en ai déjà tué 50 là, faut passer à la suite le jeu. Ah mais je peux faire quelque chose, j'avais pas vu dans le dos. Ah mince. Ouais c'est bon par contre on essaie un peu tranquille 3 secondes. Protocole de grosse bringue activé. De grosse bringue. Ah mes armures qui m'aident. Ah non, c'est Captain America lui. Alors pourquoi je sais pas m'envoler. Ah, il est en train de toutes me les détruire petit à petit. Ah, c'est chiant, il faut tenir. Moi, chaque fois ciblé, il sait pas la garder en mémoire la cible. Voilà, voir. Prend un petit peu de temps, mais c'est quand même pas mal hein, cette scène avec toutes les armures d'Iron Man. Faut essayer d'en abattre une seule. On va y arriver, j'espère. Il
faudrait qu'il nous monte son dos en fait. Il aurait pu perdre toute sa vie. Il perd pas toute sa vie en fait, il arrive à rien refaire. Il y a peut-être quelque chose à construire, non? Oui. En colère. Ah quoi que si, voilà. Il y a quelque chose à construire pour le terminer. Avec Captain America. Ah non, Iron Man est mort. Non, pourquoi tu es mort? Triste vie. Et pourquoi ça fait rien à la mienne? Ça fait rien à mon armure, c'est n'importe quoi. Et là maintenant on peut voir donc dans le dos. Alors, il va le toucher par contre, ça c'est le plus dur. Voilà. On a ouvert la trappe. Le malin mandarin, tu peux sortir de mon armure. Elle te plaît, mon armure? J'aime bien les trucs rétro. Pourquoi c'est toujours ma tour qu'on escarte? C'est quoi le problème? T'es pété de thunes, les autres n'ont pas de tour. Redémarre et rabis-toi. Et du coup, voilà, la MK1, comme je disais, la MK42. Tony Stark. Aldrich. Merci Vassili hein, pour le GG. Le malandrin, ou le mandarin. Hein. On a dépassé le million de pièces. On a le million. On l'a. Hop, 690. Ouh. Ah, allez, vas-y, donne-moi le True Believer pour une brique dorée. Ah, on a bien. Yeah. On en a un de ça. Ça monte, on n'a pas eu le Stanley par contre. Nous sommes en danger, en très grand danger, du genre fin du monde. Les tests de Reed Richards ont révélé que ces briques renfermaient le pouvoir cosmique et que ce sont les débris de la planche du surfeur d'argent. Si ça veut dire ce que je crois, alors vous êtes les seuls à pouvoir nous aider à protéger la Terre. Mais qui parle-t-il? Il est bon, Hamburger? Apparemment, nos deux labos ont été saccagés. Les méchants adorent voler nos affaires. Ils ont poussé le bouchon trop loin cette fois-ci. Hein, Maurice? On lance notre opération en Latverie. Nom de code, opération Latverie. Je vais réunir les quatre fantastiques. Parfait, lancez le logiciel de traçage de l'arc réacteur du Shield. Comme ça, on piste mon arc réacteur. Tu sais combien de fois il faut que j'aille te chercher dans des soirées de dévergondés? Avoir le meilleur service de renseignement a ses avantages, tu vois. Œil de faucon, la veuve noire, à vous. On a bien retenu le mot de fin, hein, le nom de code de pour l'opération Latverie. Hein, opération Latverie. Avant qu'il ne soit utilisé à des fins. Suivez le signal et trouvez-le. Très intelligent, hein, Coco, évidemment. C'est le meilleur des bails. Hein. Mais je sais pas si elle servait quelque chose les caméras, je n'avais rien compris. J'avais pas compris. Non, elle servait à rien les caméras ici. Faire quelques petits. Par contre. Ouais, on fera après. On fera ça plus tard. Allez, vous êtes prêts? Est-ce que la veuve noire peut survivre à une chute de au moins 5 km de haut? On va le savoir tout de suite. Ah, le œil de faucon aussi. Ok, saute avec moi. Ah purée, par contre j'ai du mal à voir par moment les cercles. Hein. Il y en a par moment, je les vois assez difficilement. Du coup, ça tombait parfois plus. Ah ouais, celui-là, on voit toujours bien. Hop. Ils avaient un parachute. Mais limite, on peut tomber sur le. Pas du tout sur le toit. Pas grave.
Agent, je tente de localiser le signal de l'arc réacteur, mais il va falloir du temps pour trouver sa position exacte. Apparemment, il serait dans le quartier des affaires. N'oublie pas, on n'aime pas les taxis. Du coup, on va voler un taxi, c'est ça qu'on va détruire. On y est déjà ? On a localisé le signal. Ben non. Je vous envoie les coordonnées. Suivez la piste. Oh, la poubelle. Mais il sait pas conduire, là, ce bus. Complètement bourré. Chiant le taxi, on a dit qu'on aimait pas les taxis aujourd'hui. Non, la voiture, non, j'essaie de pas te choper, là. Ah, une petite course avant. On va quand même pas refuser une petite course. On ne peut pas faire que de l'histoire principale, hein. On va faire des petits trucs là. Je suis sur la course, c'est bon. Faut pas déconner. Faut reculer maintenant, faut réussir. Aïe. Vite, le chrono ça remonte. Pas forcément les plus durs, les courses en voiture. Ça dépend lesquels, il y en a une ou deux qui sont un petit peu plus... Enfin, ça dépend où se trouvent les points de passage. Aïe. Eh, attention, hein. Ouais, ça va. Eh, attention, hein. Et voilà, 18ème brique. Décapotable comme la mienne. Voilà, pour la vue ici le long de la... le long de l'eau, la décapotable c'est mieux, hein. Comme ça on a en plus de ça l'air iodé de la mer. C'est bien, tout est pensé, hein. Ici on va revenir quand même. Allez, on passe avec la voiture, c'est bon, c'est nickel. Bien sûr que j'aurais pu. Eh mais fais gaffe, œil de faucon, tu fais quoi là ? Récupère les pièces. Et regardez, là, même ma voiture maintenant sans porte, on sortira beaucoup plus rapidement de la voiture. C'est un gain de temps, une optimisation, hein, tout est pensé. Essaye de monter là-dessus, je suis sûr qu'il y a moyen. Et avoir juste pas du tout. Pas trop. Même là-dessus, je peux pas sauter. Pas le foutu. Hein. Bon, allez. On se cache. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis plus là. Ah. C'était les poubelles. T'es sûr que c'est ici que je vais venir, hein? Désolé, mais les coordonnées étaient erronées. Ouais, ça se voit. J'ai renversé du ketchup sur le moniteur. Je vous les renvoie maintenant. Je me demande qui a renversé du ketchup, hein, franchement. D'où venait ce ketchup? Venait-il d'un burger? Ah, mon taxi. Et j'ai perdu mon taxi. Et j'avais tout bien optimisé pour pouvoir rentrer rapidement dans mon taxi quand je le reprendrais. Et on me l'a volé. C'est honteux. C'est un oiseau. Continue ta phrase, madame. Tu peux continuer ta phrase. Tu parlais de Superman, j'en suis sûr. T'étais trompé de licence, c'est pas grave, madame, mais tu aurais pu continuer ta phrase. Je voulais savoir, moi, si c'était un oiseau. Ah, la petite voiture verte, là, elle m'intéresse pas mal. Oh, la grosse voiture. Ah, le Daily Bugle. Journal de J.J. Abrams pour lequel travaille Peter Parker. Tiens, décapotable, madame, tu me remercieras. Le signal provient de cette zone. Explorez les environs à la recherche d'indices. Oh, les caméras. J'attendais à voir un panneau qui est bien vu dans la base secrète de l'Hydra. Ouais, hey, pourquoi pas... Ouais, t'es pas mal, hein.
Du coup, ben voilà, est-ce qu'on aura vraiment... Ouais, une base de l'Hydra, effectivement. Hein. Ah, faut que je construise quelque chose. Et maintenant, c'est un avion. Un oiseau, c'est un avion? Non. C'est... Black Widow. C'est ça le truc. Alors. J'arrive pas à le rebondir. Putain, elle peut pas rebondir. Allez, cocotte, rebondis. Voilà. Mais. Il agrippe le. Elle veut pas, hein. Voilà. Ah. C'est ce qu'il fallait faire et du coup ça fait quoi? Ah bah ça ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ouvrir une porte dans le jeu, franchement? La base de l'Hydra, on va nous dire en raconter des choses dessus, d'une non? D'une hauteur de 443 mètres et pesant 365 000 tonnes, l'Empire State Building fut inauguré en 1931. Il s'agit de l'un des monuments les plus emblématiques de la ville de New York. 365 000 tonnes. Wolverine est déjà là. C'est énorme. Le signal est de plus en plus fort, alors suivez-le. Attention, Barton, ne nous laissons pas surprendre. Soyons prudents. On ne sait pas ce qui nous attend en bas. Je sais pas, mais on s'est déjà repéré par les caméras. On va pas leur dire non mais c'est pas moi, j'avais aquaponé, je suis déjà sous caméra quoi, ils m'ont déjà vu. Donc ça par contre les caméras qui sont quand même débiles. Genre mais il y avait quelqu'un là non? Non, il a disparu, il y avait quelqu'un puis il a disparu, c'est normal. Ah ouais non par contre là il faut rester dessus jusqu'au bout. Faut pas bouger hein. Dommage, mal brinlé. Voilà. Ouais, j'ai pas eu la pièce bleue. Voilà. Bon, là, j'ai pas le pouvoir. Et du coup ici on a désactivé les caméras et Barton donc ou Hawkeye va pouvoir venir. C'est déjà fait, c'est déjà bien. On avance un petit peu, on répare quelque chose d'ailleurs. Un mécanisme, un levier, enfin un levier. Une sorte de levier. Ah oui, c'est vrai que Hawkeye peut aussi détruire les trucs métalliques. C'est parti, allons rendre la justice. Enfin, tout à l'heure j'essaie de détruire sa caisse, elle veut pas. J'ai cru que c'était la caisse la plus indestructible du jeu. Faudra revenir avec quelqu'un d'autre pour ça là, pour l'eau. Mais je suis toujours en invisible avec elle. C'est pour ça qu'il a pas vu les tirs que j'ai tirés. La veuve noire est prête. D'ailleurs, ça ne vous paraît pas bizarre que la veuve noire s'appelle la veuve noire? Elle n'est pas veuve, elle n'est pas noire, elle n'a pas de venin, enfin, elle n'a pas été mordue ou piquée par, par une araignée. Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça, du coup? Oui, si la veuve noire sait résoudre les énigmes.
après, quand on voit le la complexité des énigmes, franchement, ça va quoi. Pas non plus avoir un bac plus 37 pour résoudre. Ce symbole me dit quelque chose. C'est l'Hydra. L'Hydra, dans une base de l'Hydra. Les criminels dépensent moins de sous pour entraîner leurs hommes que pour la déco. Ouais, c'est un petit peu dommage. Hein. Vous imaginez des bases méchantes comme ça avec un beau design et tout? Ça changerait? Tout ça sous l'Empire State Building. Hein. Ou dans l'Empire State Building, je sais pas exactement. Ah. Je crois qu'on a un problème. Besoin d'un coup de main ? Eh, la torche. J'aimais bien l'utiliser aussi, lui, là. Enfin, la torche. Restée secrète si longtemps. Grâce à la déco. On peut appuyer sur X pour sauter, puis appuyer pour voler. Bah oui, comme Iron Man, hein. Comme je disais, on va toujours sauvegarder au cas où un pépin arrive. Oh, coucou, je suis en feu. Je suis chaud comme la braise, cocotte. Du coup, il y a des choses dorées à péter avec lui. 2 sur 5. Vas-y, on va péter tout le niveau. Il est chaud, le tête d'allumette. Bah ouais. Attention. Je crois que la dame qui parle comme ça, ça allait un petit peu monter à la tête. Il dit, il y a moyen avec elle. Aussi, je sais pas, elle a une voix sensuelle, hein, la dame, quand elle dit à chaque fois ça, non? Je sais pas si vous le trouvez. Hein. Ouais, attention. Hein. Allez, il peut. Les formes dorées, on disait que le feu pouvait le faire. Tacha, j'ai besoin de toi, non? Hein, pas la force, mais si j'ai besoin d'elle. Résous cette énigme très compliquée. Vous voyez, c'est... très compliqué. Donc, c'est très compliqué, effectivement, je disais. Hop. Hop. Et voilà. Pouah, c'est dur. Et ici on a un carré, c'est d'autant plus dur. Encore une fois. Et c'est tout. Et regardez, à droite gauche se trouve notre objet. Hein. Il est là. C'est comme ça. Ah, mais du coup, oui, celui qui est déjà mauvais de base. Ah, oui, ouais, j'avais même pas vu, il redonne la forme juste en dessous. Au cas où on avait oublié, qu'on n'avait pas regardé. Hey, je vais me faire écraser. Si vous aviez bien regardé, hein, l'écran, je suis pas sûr.
c'est à ce moment-là que vous pouviez remarquer qu'il y avait, on vous l'avait vu, hein, cette icône dorée là, enfin, cette grosse statue dorée, ou ce trophée plutôt, on l'avait vu là, sur l'écran. Il y en a un qui est là-bas. Bon, on peut déjà y aller ou pas du tout? On va attendre un petit peu avant d'y aller. Et pourrait-on trouver déjà le cinquième par ici? Oui, il est là. Enfin, ou le quatrième en l'occurrence. En termes d'énigmes, il est vachement intelligent le pilote au milieu. Eh ouais, c'est parce que j'ai l'habitude de faire des jeux d'énigmes sur tablette et tout. Du coup, mon cerveau est beaucoup entraîné pour ce genre de situation. Je vois crâne rouge d'ici. Ouais, en même temps, avec tous les symboles qu'il y avait qui montraient l'hydra, c'était pas compliqué à deviner que c'était l'hydra. Hein. Du coup, oui, voilà. Faites des mini-jeux d'énigmes et tout là sur ça vous entraînera. Vous pourrez résoudre ces mini-jeux là dans les Lego. Faudra pas avoir peur. Et j'ai fait pas mal de professeurs Letton aussi. Hein. J'ai l'air de pouvoir y aller là comme ça. Hein. Ouais, je peux y aller, vas-y, je vais vite le récupérer. Ça pour récupérer un de ces bousins là, un de ces satellites. Bon, on va quand même avancer petit à petit par ici avec ceux qui savent pas voler. Et qui savent pas monter des escaliers apparemment. C'est compliqué. Vas-y, mais reste là-dessus, reste sur les plateformes. Ah ouais, mais... Ouais, je vais retirer l'invisibilité, sinon moi-même je la vois pas. Ce serait dommage. Évidemment, c'est la fille qui... Bon, bah ça va être l'homme, non? Faire le machiste, hein, fait que c'est la fille qui fait tout, tandis que les deux mecs regardent. Voilà. Allez, moi je prends l'ascenseur, adios. Oh, vas-y la veuve noire, tu peux tout faire. Tu pourras résoudre, de toute façon c'est toi que j'avais besoin pour ça. Hop. C'est la seule qui peut passer les caméras. Tu peux le faire, ouais. Voilà, on détruit la caméra. Il est impossible de l'ouvrir. On doit trouver un autre moyen de passer. Eh hey, mais j'ai pas de bonhomme pour les... Ah mais si. Barton peut le faire. C'est un tisseur de toile, le Barton. La veuve noire, elle est tombée, c'est pas grave. On va rester avec la torche. Faudrait qu'elle arrive par contre, la veuve noire. Ça serait bien. J'ai envie de remonter tout seul. Elle lui a laissé le temps de venir? Pas du tout. Je préférerais rester en bas. C'est pas maligne hein, sur le coup, enfin, elle aurait pu au moins remonter jusqu'à... Mais non, mais Barton, lui par contre, il fallait pas revenir, toi t'étais bien de l'autre côté. Pas les idiots. Je me sens comme un rouage de la machine. Conseil, regarde pas en bas. Ah ouais, mais non, mais... Voilà, ça c'est mal foutu. Barton, il aurait fallu que... Il grimpe. Et avec maintenant Natacha, je l'y emmène. Quel travail d'équipe. Aïe, on se fait agresser. Bon, ben, je crois qu'ils s'en foutent. Mais c'est une arme qu'il a en main, le mec, là. Faut pas déconner, quand même. T'as vu le gros sniper qu'il a?
Ah ouais, par contre ça, faut pas que j'avance encore de suite. Ça fait mal. Hein. Ah non, pas dessus. Et voilà. Ah. Petit truc doré. Et voilà, Natacha va pouvoir traverser. Alors pourquoi je prends pas la pièce par contre? Ouais non, là Natacha maintenant quand je vais par là quand même, faudrait... Voilà. Bah vu que les deux autres se faisaient dégommer quand ils essayaient de passer, on va passer en invisible. Ça me semble plus... moins risqué. Leur font dégommer, hein. Eh, le trouble d'hiver, ça c'est bien, on adore. Les caméras... Et du coup la tourelle aussi. Non? Ouais. La tourelle n'est plus alimentée. Je vais arrêter de... Ils vont arrêter de se faire dégommer. C'est bien pour eux. Tout, vas-y, je dégomme tout. Maintenant, c'est la base de l'Hydra. Là, je peux tirer, c'est bien. En plus de ça, s'ils se refont, bah, ça sera toujours bien aussi pour les petits producteurs locaux. Hein. Enfin, les vendeurs et tout. En espérant qu'ils achètent bien américain. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Allez, zone suivante. Loki, crâne rouge. J'ai pas reconnu le troisième. Qui était-ce? Qui était-ce? Vas-y, ouvre-toi la porte dorée. Vas-y, j'étais carrément dans une fusée de l'espace. Vas-y, meurs. Tout, tout, tout. Des caisses. Ici on va pouvoir avec Barton détruire ces objets métalliques. Peut-être construire quelque chose, non? Apparemment. Ah si, il va falloir construire quelque chose. Voilà. Et que va-t-on construire? Il y avait un... Ah ben un escalier, enfin un escalier, non. Des plaques pour faire pouvoir... Monter, on va monter. Il y a des choses à voir là-bas par contre. Hein. Je tiens de la viande, banane et un balai. Vas-y, mais arrêtez un petit peu d'arriver les méchants. Quoi. Juste deux minutes qu'on visite un peu la zone. Ordonnez là, faut arrêter. Tiens, des flèches, tiens. T'avais l'habitude d'être un méchant avant de te prendre une flèche dans le bide. Hein. Tisseur de toile, tu l'es. Après là, il y a deux toiles, enfin deux trucs, donc non, tu pourras pas. Ah ouais, non, il a pas les bonnes. Il peut faire une toile, lui, pas plus. Et en haut, crétin, t'as pas vu? C'est l'idiot quand même. Il voit que je monte et lui qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Ah. Ah. Ah.
Oh, n'oublie pas, hein. Allez. Ça fonctionne pas ? Ça va fonctionner pourtant. Pourquoi ça fonctionne pas ? Ah, bah si, ça met du temps. Youhou, vous m'avez pas vu ! Peut-être but de l'homme, tourloupe ! Vas-y, on bouge les caisses. On casse les poubelles. Et on se suicide. Et c'était sous contrôle. Tout était parfaitement prévu. Je voulais pas gagner trop de pièces. Il y a deux tourelles qui s'entretuent. C'est bien, c'est que l'écran quand même géant là te montre ce qui se passe juste à côté. Hein. Je sais pas si c'était vraiment utile. Alors, ah oui. Faut que je prenne... Ils ont des armures de feu, enfin en doré. Voilà, on va pouvoir détruire l'armure. La première fois, et puis maintenant, ben, on leur tire, continue à leur tirer dessus pour les tuer. Dans les pièces. Les interrupteurs à griffes, ouais, mais ça c'est Wolverine, je n'en ai pas. Enfin, je l'ai pas avec moi. Ouf. Ça marche. Oh non. Les niveaux d'énergie sont stables. Parfait. Et le troisième. Au revoir, ouais, je sais pas qui c'est là, il est bizarre. On dirait un peu le bonhomme dans les Tortues Ninja là, le méchant avec le cerveau ou je sais pas trop quoi. Encore cette tenue ridicule. T'es fauché ou quoi? J'ai le crâne rouge. Et vous? Le crâne vide. Crâne rouge. Ouais, ouais. Je suis ici pour t'empêcher d'agir. Moi qui pensais être une tête brûlée. Oh, oh, moi qui pensais être une tête brûlée. Humour, humour. Ça, c'était drôle, une fois. Bon, combat du boss. Détruire, on peut pas détruire le trophée. Il y aura des trucs dorés là derrière, on peut voir. Ah, d'accord, non, non, mais je m'approche plus, hein, c'est bon. Hein. Et d'ailleurs, tu sors d'où, Captain America là? On était avec Steve Roger. Ah, bah ils sont là, tiens, d'ailleurs, ils sont faits. On les a vus se faire assommer là, Natasha et Barton là. On a rien vu non. Non non, je me suis pas rapproché. Ah bah voilà, j'ai détruit la tour, je voulais. Comment qu'on fait? Parce que sérieusement, j'ai pas bien vu alors si on a vu que Natasha allait se faire avoir là. Ah, et les petits drapeaux. Faut essayer d'avoir les drapeaux. Peut-être aux quatre coins de la pièce. C'est l'air. Ouais. Voilà. Troisième, on va aller voir le quatrième. Ah, ici ça va être pour Reed Richards. Bon, on l'a pas avec nous, malheureusement. Et voilà, un satellite de plus. Ouais, par contre. C'est cassé, mais je peux rien construire avec ça, je suppose. Je sais pas si ça servait vraiment à quelque chose. Mais rien qui n'avance dans le fait de battre crâne rouge. Ah si, je peux construire quelque chose ici, voilà. C'est ce que je cherchais.
c'est bon, là, je suis quand même assez loin, Coco, faut pas déconner, là. Ça devrait s'ouvrir, ça, non? Pas du tout. Pourquoi ça s'ouvre pas? Pourquoi ça s'est pas ouvert? Je pensais que ça allait s'ouvrir. Même pas ouvert un autre. Ouais, qui se détruit. Parce que c'est clair, il faut que j'utilise mon pouvoir du feu sur les parties dorées là derrière. Détruire ça. Ouais, il faut que je détruise ça. À mon avis, c'est avec ça que je vais pouvoir reconstruire quelque chose. Ce machin, je savais pas. J'ai chaud rien que de le voir enflammé. Ah, ça va. Je suis pas sûr que ce soit ça, du coup. Mais dégage, Steve, aussi, putain, t'es chiant. Et tout à l'heure, on a réussi à le tuer parce que, voilà, comme ça. Parce qu'on s'était fait tirer par crâne rouge dessus et ça nous a projeté dessus. Non, on n'arrive pas à le détruire, ce machin, c'est n'importe quoi. Il va falloir que je fasse les 4 avant de pouvoir activer quelque chose, c'est ça. Ah, maintenant. Pourquoi je peux... Bon, bah, bon. Je sais pas, il lance un combat un à un, mais j'ai pas trop compris comment. Non, je vais retirer un point de vie. Les chances d'échec sont Arnim Zola. Capitaine. Abandonne. Je sais pas d'où il vient, hein, ce Arnim Zola. Bon, les tourelles qui s'en mêlent. Après les jumelles, c'est les tourelles. Ah voilà, on va essayer de mettre sur la forme. Je suis l'avenir de notre peuple. Toi, tu n'es qu'une relique. Ah, mais les reliques, c'est pas mal, ça nous montre d'où on vient, là. C'est bien. Faut l'autre. Au moins, celle-là, on a vu qu'on pouvait se la faire aussi. Mais ouais, mais du coup, s'il a pas de nez, il sait pas qu'il pue. C'est aussi ridicule comme premier jour. Il faut frapper Hydra, non? Ouais. Comment il est à terre? Mais il fait ses pompes, oui. Voilà. Ah, il fallait appuyer à carré, mais j'appuyais sur carré à chaque fois. Après les jumelles. Ouais, c'était fait exprès. Hein. Les tourelles en mêle, ouais. Eh, je l'ai cherché loin, celle-là. Hein. Le puissant Arnim Zola est invincible. Tiens, ouais, il m'énerve cela. Mourrez de mort. Ouais, je récupère un peu des pièces comme ça. Non, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, Coco. Là. Oh, ça se fait pas de taper les gens. Vous ne gagnerez jamais. Si, on va gagner, t'en fais pas pour moi. Regarde, on a déjà fait 3 sur 4 sans
en galérer plus que ça. Hein. Il n'y a pas de tétane par contre. Tu te ramollis en vieillissant, Captain. Aïe, l'électricité, ça pique. Attention, oh mais ça se fait pas ça non plus. Mais c'est ainsi que Crâne Rouge eut des pouvoirs. De Crâne Rouge depuis le raft. Il porte un parfum vraiment horrible. Merci pour ton aide. Mais tu as détruit le vortex. Maintenant impossible de suivre Loki. Ouais, à mon avis, Loki joue un rôle plus important qu'on le croit dans toute cette histoire. Bon bah on pourra pas suivre Loki malheureusement. Hey, tête rouge en cellule! C'est la septième mission, non? Non, on a la sixième plutôt ici, oui. À la sixième. À la torche, Arnim Zola. Non, je connais vraiment pas. Crâne rouge. On va voir le True Believer, hein, non? Oui, on l'avait eu. Voilà, deux briques dorées toujours. Hein. On a eu deux des satellites. Ouais. T'as 20 pièces, enfin 20 briques. On est quasi à 10% des briques, c'est incroyable. Ils vont s'en tirer, directeur Fury. Ils ne sont pas super, mais ce sont des héros. Oh oh oh. Colonel Fury, Loki a sauté dans un vortex avant de disparaître. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider à le retrouver. Deadpool qui vole la pizza. Oh. Ah. T'avais pas commencé ce Lego la dernière fois? Si, si, c'est la le deuxième stream que je fais dessus. J'ai vu que je viens de faire la sixième mission ici, j'en ai fait que trois là en live. Enfin, cette fois-ci, j'en avais fait trois la première fois, trois maintenant. Non, c'est l'autre. J'imagine que vous savez qui c'est. Allez le retrouver le plus vite possible. Allez, je sais que tu peux le faire, Coco. Tu peux t'envoler. Voilà. Ah, fallait continuer, t'étais bien parti. Un peu du mal. Ah. Ça, bon, j'arrive pas à partir dans la direction que je veux. Timide, pas lui en vouloir. On va monter comme ça petit à petit. L'oiseau fait son nid. Montez, capitaine. Hey, cocotte, qui y a-t-il? J'ai dit à mon chéri qu'on se retrouverait ici pour un tête-à-tête en amoureux digne d'un film. Mais cet idiot a dû croire que je parlais d'un autre grand bâtiment pointu de Manhattan. S'il arrive pas bientôt, il dormira sur le canapé. Il arrivera pas de suite. J'ai pas le bon perso. J'ai pas le bon perso, je vous ai dit. Ça servait à rien de me montrer tout ça. Un tisseur de toile, j'en ai pas avec moi. Est-ce que... Ah non, il faut peut-être que je termine le jeu. Ouais, je crois qu'il faut que je termine le jeu. Ouais, attends, je peux pas, j'ai pas non plus de... Enfin, Wolverine, je l'ai pas avec moi. J'ai plus que j'ai que deux. Tant pis. Quoique la course qu'on avait vue là, c'était peut-être... Ouh.
Ah ouais, c'est une comme ça, on va tenter. On va tenter. Ouais, par contre, on démarre du mauvais côté, donc ça c'est déjà le mauvais bail. Elle est où la suite? Elle est où la suite? Elle est par là-bas. Si je vais y arriver, hein. Les courses en vol, c'est les trucs les plus compliqués, les trucs quand même les plus compliqués du jeu. Allez, mais quoi, mais oh, tu me fais quoi la torche? Ah, il est pas passé à travers. C'est bon. Et chiant. On a commencé où la course? On va commencer par là, c'est pas celle-ci. C'est là. Elle était là, canapé, oui, sur le canapé. Ah, mais il y a plein de pièces ici, mais c'est pas. Eh oh! La torche, c'est pas ce que je demande, moi, je veux pas aller là-bas. Et d'avancer juste un minimum, après je voulais aller ici. Ah, j'ai déjà raté. Ah, les courses en vol, c'est vraiment le truc le plus horrible du jeu. Si tu maîtrises pas bien. Si t'as pas la prise en main du bousin, t'y arrives pas. Et y a pas de bouton. Oh, vas-y, quoi, le lampadaire, t'es sérieux? Et t'as pas un bouton recommencer la course ou autre, ça va pas ouf. Non, je connais pas lui, on connaît plus la suite. Mais il me fait quoi là? Pourquoi il. Putain. La torche, tu m'as fait quoi sérieusement? Et tu passes pas à travers, putain. Jeu de merde. Ouais, vas-y quoi, j'étais à fond dessus. Et je sais pas pourquoi il a chuté, hein, sérieusement, ça c'est genre, c'est relou, il y avait aucune raison, je lui ai pas demandé de tomber, hein. Ouais, ouais, c'est le départ, ça c'est sûr, parce que t'as le petit, t'as les petits symboles, dès que t'as quelque chose, t'as un symbole sur la carte, t'as pas l'arrivée sur les cartes. Pourquoi j'étais dessus et pourquoi il a fallu qu'il chute, cet idiot. Je l'avais, quoi, la course. J'ai perdu les 10 secondes à essayer de remonter à la hauteur. T'as pas le temps de vol un temps de vol en vitesse max? Attends, t'as pas un temps de vol en vitesse max? La plupart des informations. On comprend pas bien la question, là, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Non, je vois pas bien ce que tu veux, ce que tu demandes. Asgard proviennent d'un livre pour enfants trouvé par le docteur Eric Selvig au Nouveau-Mexique. Pour l'instant, tout concorde. Ouais, je suis tombé, mais j'ai pas demandé de tomber, moi. Visez-moi. J'étais en train d'avancer tout droit, donc je vois pas pourquoi je lui aurais demandé de tomber. C'est le dieu de la foudre. C'est son truc, disons. J'ai senti le vortex s'ouvrir. Mon frère Loki s'en est servi pour retourner à Asgard. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Et du coup, tu viens sur Terre parce que. La même chose que toujours. Le pouvoir. Et des casques à cornes aussi. Il adore ça. Mais pourquoi je suis venu, moi? C'est génial! Je suis quel perso là? Je contrôle quel perso? Je sais même pas lequel. Ah, Captain America. Putain, t'es obligé de regarder en haut à gauche pour voir lequel tu contrôles. Et je vois rien, il y a trop de persos à l'écran, je vois pas lequel où je suis. Il me bouche la vue, hein. On voit rien. Pénible, déjà 1, 2 c'est pas toujours évident, alors 4, bordel. Ah, je loupe du coup toutes les pièces, évidemment, comme je le disais. Ah, je veux plus recommencer. Wow, je vois des étoiles, comme sur le drapeau. Tout ce gel et cette glace, Loki a dû s'acoquiner avec les géants de glace de Jotunheim.
Heureusement que je suis là pour mettre le feu alors. Ça ferme l'allumette. Les commandes de la sortie sont emprisonnées dans la glace. Il faut y accéder. Si seulement il y avait quelqu'un qui puisse faire fondre la glace. Mmh. Oh mais oui. Mais qui peut le faire? C'est mortel. C'est génial si quelqu'un pouvait le faire. Ah, la caméra par contre qui m'a fichu. J'essaie d'avoir les trucs derrière moi. Ça sert à rien. Le monsieur te demande si tu as le temps où tu voles en vitesse maximum. N'est pas non, il n'y a pas de vitesse. C'est pas limite. Hein, je peux refaire, si je le maîtrise bien le truc, je peux faire toute la course en vitesse max. Non, c'est juste, je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Hein. Et merci Iman Arxi 9 pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne soirée. Bon, ici, vu que je suis en flamme, j'ai qu'à me tenir à côté des. Enfin, j'avais qu'à me tenir à côté des glaçons pour qu'ils fondent tout seuls. Le feu, ça fond. Non, il y a même une course ou deux qui te demandent d'être la plupart du temps le plus grand, non, enfin le plus de temps possible en vitesse maximum, tellement elles sont quand même assez hard et assez longues malheureusement. Anarchie, j'y étais déjà avec un autre. Ouais, bah oui, c'est vrai que enfin le pseudo te ressemblait énormément, mais vu que c'était pas le même après. C'était peut-être une autre personne, hein. Du coup, ben, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, Anarchie, quand même. La question reste la même. Oh, les géants, là, je vous ai assez tués, non? Faut arrêter de venir, là, à un moment donné, vous faites pitié, quoi. Non, ça spawn à l'infini, ça, j'adore. On adore les trucs qui spawnent comme ça. J'espère que vous allez tous bien, avec du travail, j'ai pas le temps, mais j'espère revenir sur vos lives. Ben oui, on va bien. Doudou là cette semaine il nous fait plus ou moins un live journalier sur du Crash 4 pour avancer sur le jeu. Ah oui, il faut que je prenne Thor. Bah ici là je suis voilà, j'avance on peut voir un peu sur bah ici ce soir sur les Lego. On a fini l'histoire de base du jeu de base de Control. On va attaquer les DLC la prochaine fois qu'on jouera dessus. Tu regardes des rediffs, c'est très intéressant. Ah, mais c'est bien ça. Théo a fini la semaine passée Assassin's Creed 2, par exemple. Il l'a enfin platiné. Et du coup, il va passer au Brotherhood. C'est le Brotherhood? Oui, c'est le Brotherhood dimanche. Ouais, on va pas tout détruire, ça sert à rien. Ah, quoi que si, les pièces, c'est pour les pièces. Même pas des mains sont plus. Ouais, bon, on va passer à la suite. C'est quoi par contre? Ah, ouais, bah oui, c'est normal, je l'ai coupé. J'ai allumé le courant. Ah quoi, j'ai vu une pièce bleue. Oui, Thor évidemment peut voler aussi. Hein. Ah. Bah il y avait un satellite. Et c'est même déjà le deuxième que je trouve d'ailleurs. J'ai trouvé le premier camp. À quel moment j'ai même pas vu. Tu check notre chaîne de temps en temps, ça fait plaisir. Hein. En tout cas, c'est cool de te revoir. Hein. Et du coup, ouais, tu dis que t'as beaucoup de boulot, mais j'espère que ça va. Et que la santé aussi, ça va. Ah, ça t'énerve que tu rates les crashs. Ouais, malheureusement. Bah après, ouais, du coup, il y a la rediff pour pouvoir revoir. Hein. Enfin, pendant 14 jours, elle est là. To. Là, je suis coincé, c'est bon. Il n'y en a rien à foutre, ce géant, je le tape. On bat les steaks.
Vas-y, on fond la glace. Et du coup, on est sur, sur le Bifrost, hein. Le pont, là. J'espère que vous reconnaissez l'endroit, hein, si vous avez vu les films. Bon, c'est un petit peu glacé. On reconnaît quand même, hein. Oh. Loki. Tu es venu. Je commençais à m'inquiéter. Évidemment que je l'ai venir. Ce que j'ai fait de cet endroit. Pas trop, non. Ah, le Tesseract. Il a le Tesseract avec lui. Frère, renonce à cette folie. Oh, tu veux pas te détendre un peu? This is madness. Hop. Ou plein d'argent pour pouvoir les donner plus tard à Chris. Aïe, non, le Tesseract m'a congelé. Il suffit, te voilà à ma merci. Ouais, mais tu ne peux rien faire contre. Bah alors, ouais. Contre deux personnes à la fois. À la prochaine. Des pièces. Retourne en torche, toi. T'as chopé le Covid. Ah merde, hein, ta merde. Mais tout va mieux maintenant, ouais. Heureusement, ben, ça c'est moche, mais c'est tant mieux si tu vas bien maintenant. Pas beaucoup de temps, ouais, tu vas devoir aller, j'espère, revenir le plus vite possible. Ben, nous aussi, hein, ben, tant mieux que tu ailles mieux maintenant, ben, ça nous fera un plaisir de te revoir, hein, évidemment, hein. Tu vas devoir y aller, bah du coup, bah si tu y vas, bah bonne soirée, hein, Archie, merci d'être passé, hein, ça fait plaisir. Bah, ça repop ce machin, ça se recasse. D'autres choses à faire avec ça peut-être. Bon, ça je peux pas avec lui, ça je peux pas avec lui non plus. Alors, mais je vais prendre Thor là. Maintenez carré appuyé avec Thor pour se. Oui, bah oui, je me doute. Grâce à Mjolnir, tout ça. Alors, voici Asgard. Et voilà, nous voilà dans Asgard. Passez un bon live, la communauté des chasseurs. Merci à toi, Anarchy. Bonne soirée. Hein. Et bon boulot, et puis bah, bonne santé surtout. Hein. C'est le plus important. Il faut un personnage qui vole pour atteindre Loki. Oui, d'accord. Hein. Mais, le moment au combat, on veut l'argent, on veut les pièces. Et il va me. Ah oui, mon marteau il est là. Quelque part, sûrement pas. Ah, mais il y a un deuxième personnage qui vole ici, c'est magnifique, il y en avait deux. C'est bon, casse-toi Loki. Et il a cassé toute la décoration. Vous êtes tombé encore une fois dans le panneau. Ouais, à mon avis, il n'y avait pas de panneau. C'est du pipeau tout ça. Quelque chose à faire, enfin si il y a quelque chose à faire ici, mais est-ce qu'on peut le faire? Oh, non, non, pas. Ça on pourra pas le faire, on n'a pas le bon perso. Tony Stark n'a pas voulu venir dans Asgard cette fois-ci. Va falloir attendre. Ah, on peut réparer quelque... on peut construire quelque chose maintenant. Peut-être pour la suite, évidemment, un genre de trampoline. Ah non, il y a quelque chose pour pouvoir monter cette pente de glace. Ça c'est pour Wolverine. Ici c'est pour du Wolverine.
il se trappe, j'en suis sûr. Et hop, ils se sont tous enfermés comme des idiots. Allez, on recharge un peu tout ça. Hein. Ah non, bah c'est bon, on a réussi à en sortir. C'est pas très compliqué, on peut avouer. Ah mais je suis Captain America, purée. Voilà, c'est celui que je voulais depuis tout à l'heure. Il faut pas faire pour avoir celui qu'on veut. Détruisez les... Mais oui, je sais qu'il faut détruire les dorés en chauffant. Pas comme si on l'avait déjà fait depuis belle lurette. Ouais, Coulson, il pense que t'es un petit peu débile et que t'oublies tout après 3 minutes. Bon, après, pour ceux qui reprennent le jeu après plusieurs jours ou semaines, ça peut être pas mal. Mais bon, on se prend là quand même. Ah, bah salut Safa! Est-ce que tu vas bien? Non. Captain, je dis. Petite échelle à tous les coups. Ouais, bon, ça va être un genre d'interrupteur pour l'échelle. Voilà, ou l'escalier même carrément. On s'amuse bien. Non. Non. On s'amuse pas du tout. Reprends des buffs de la torche encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Mais la torche, faudrait que tu restes en torche en fait. Ça pourrait être pas mal. Je vais y aller aussi parce que ça pourrait être chiant lui aussi. Voilà. Ici j'ai besoin de Wolverine. Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin? On construit quoi? Que va-t-on construire? Oh, un satellite! Oui, 3 sur 10, dis donc. Ça doit être le niveau où on a l'un le plus hein, pour le moment. Ici, on construit un truc à griffe. Yeah! Alors, on veut d'abord la torche. Je crois qu'il y a une autre plante à délivrer ici, on dirait. Ça devrait être la troisième, ouais. Bon, un quatrième satellite. Incroyable, hein. 4 satellites déjà. On les aura bientôt tous en une partie. Ce qui est évidemment impossible à faire. Et maintenant on peut prendre Thor. Beaucoup de gigawatts hein, pour l'ouvrir hein, ce mécanisme. Non, tête Zeus. Il y a que lui qui est monté, il était pressé.
Vas-y, lance le marteau dessus. Ça sert mieux quoi. Ah. Oui. Ah non, si, on construit. Non, on construit. Ah, on termine la fontaine. Ouais, c'est une fontaine ça. Et on voit que la fontaine n'arrive même pas à éteindre la torche. Je suis toujours en tout feu tout flamme. Ce n'est pas encore fini. Enfin, nous n'avons pas encore. Allez, mourez les géants de glace, qui ne sont pas si géants que ça. Bah, j'ai pas besoin de rebondir, je peux voler, c'est mieux. Quelle bande de crétins. Il y a plein de Loki, c'est lequel le bon? Comment on devine? Pas grave, on va taper plein de Loki, ça fait tout... Ah non, peut-être pas. Peut-être pas pouvoir, il y a peut-être un truc. Il faut Wolverine. D'abord. Et c'était lui, il n'y en avait aucun des. Aucun d'eux n'était les bons. Que des mauvais. Et tu croyais pas que ça allait nous avoir, ça quand même. Moi je suis un malin, tu sais. Tout, 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 tout. Ouais, vas-y, Captain America, reconstruis un peu ton propre mécanisme, hein, qui va te servir à toi. Fais quelque chose. De tes 10 doigts. On ouvre la porte. Et comment ça se fait qu'une porte à Asgard puisse se faire, doit se faire ouvrir avec le bouclier en vibranium de Captain America? C'est n'importe quoi, hein. Le cube cosmique est dangereux, mon frère. Oh, tout comme moi, mon frère. Je compte bien me venger de toi, de la Terre et d'Asgard. Que manigances-tu, Loki? Je ne te dirai rien. Tu n'es pas mon dieu. Ah, cesse donc avec cette phrase. C'est toujours la même rengaine depuis que nous sommes enfants. Et ça, tu t'en souviens aussi? Ça a l'air gros. On les voit dans les films. Oups. Ça brûle. Loki, mon frère, as-tu perdu la raison? Je parie que la boîte de conserve voudrait voir ça. Ah oui, purée, j'arrivais pas à me repérer comme un grand nul. Ah, mais. Pas encore de suite. D'accord. Bon. On va déjà un petit peu avancer. Qu'est-ce qu'on a par ici? On va dégivrer tout ça. Ça servait à quelque chose, j'ai pas l'impression. Sauvegarder. Bon, je détruis ça. Non. C'est Bagdad. C'est Bagdad le machin. Je détruis des trucs, mais je peux rien construire avec pour le moment. Je dirais. Indestructible. On doit pouvoir neutraliser le contrôle que Loki a sur lui. Bah oh, si oui, oui. Je fais un petit peu. Ah, bah ici, purée. Il y a tellement de gens, il y a tellement de trucs jaunes un peu là au sol, débris, qu'on voit. On a parfois du mal à voir ce qu'on peut faire.
Du coup, on renvoie le rayon du destructeur sur Loki lui-même. Ah, maudit mortel! Le destructeur est explosé! Vas-y, Loki. Oui, je me doute que je vais trouver un article à construire. On avait compris. Faut juste le trouver. Il y a trop de débris sur le sol, on voit rien. Faut arrêter là, tes particules. Non, pas ici, non, pardon. Renonce à cette folie. Y'a rien par contre. Ah bah si, ça va être par ici. Et on renvoie le rayon sur Loki, on a le glaçon qui nous beurre à la vue. Super. Insecte. Moi ouais, j'aimerais bien détruire ça en fait. 1 sur 3. La caméra. 2 sur 3. J'espère que le destructeur il est KO tout le temps. Hein. Enfin, jusqu'à ce que j'aille le taper. Voilà. Un autre satellite. Un deuxième coup. Il y a un peu du mal, hein. Voilà. Je ne te veux aucun mal. Abandonne maintenant. Allez, bah, Captain America, fallait pas mourir, je vais avoir besoin de toi. Allez, troisième rayon sur Loki. Sur 4 en principe, vu qu'il a 4 points de vie. Je jure que vous vous prosternerez devant moi, misérable! La tête maintenant, oui, boum, on a détruit la tête du destructeur. Vous non, pensez il est au milieu. Avoir le dessus. Détrompez-vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 Loki. On fait du Loki. J'ai des problèmes de vue. Changer perso. C'est impossible. Non, arrière, maudite créature. Ah, c'est juste la thune, d'accord. Et voilà. On a vaincu Loki. On espère. Avec lui, on sait jamais. Il a plus le Tesseract. En tout cas.
Je vais remettre le cube cosmique en lieu sûr, dans la salle du trésor. Hé, le blondinet, désolé de devoir te dire ça, mais c'est là qu'il vient d'être volé. À mon avis, la sécurité est pas au point. Un bataillon entier du SHIELD va se charger de protéger le cube cosmique. Des humains ? Pour protéger un objet d'une telle puissance ? Où nous fait la Wolverine ? Je ferai tomber la foudre sur quiconque osera le toucher. Mais c'est pas moi, ouais, c'est vrai qu'il était venu avec lui, nous, lui, hein. Pourquoi il a volé le Tesseract ? Ce gros cube lumineux pourra m'aider à trouver Magneto. Je vais voir ça avec Chuck. Trouver Magneto. Et voilà, un accueil froid. Le 7ème niveau, hein, on est quasi à la moitié du jeu, hein. Enfin de l'histoire principale en tout cas. Il y a encore pas mal de d'autres choses à faire. Hein. Le géant de glace. Attends. On a quasi 1,5 million déjà. On va avoir deux de supplémentaires. On a eu 5 satellites sur les 10. Hein. La moitié quand même dans ce niveau, c'est pas mal ça. Et on est à 22. 22 briques jaunes. 22. Oh. Tout se passe comme prévu. L'heure de ton règne sur Terre approche à grands pas. Oui, ok. Mais où est la source d'énergie que tu m'as promise ? Il ne nous manque plus que ça. Je sais où elle est. Elle se trouve chez les mutants. Chez les mutants. Parfait. Je suis paré à toutes les éventualités. Je vais envoyer mes acolytes la récupérer. Le manoir X-Men. J'ai quelque chose pour vous, professeur. Ça devrait nous aider à retrouver Magneto. La seule chose que nous allons trouver avec ceci... C'est les ennuis. Ce sont les ennuis. Et les voilà. Ça alors ? Plutôt que prévu. Salut Théo ! Ben bravo, t'arrives sur la fin. Et moi, je n'aime pas ce que je vois. Et ouais, si on commence direct avec la mission ici, ça enchaîne, mais ça attendra la fois prochaine par contre. Nos capteurs nous indiquent que le manoir X est attaqué. Non, si vous entendez ce message, allez-y immédiatement. T'as besoin d'avoir un capteur pour voir que le manoir s'est attaqué, moi je le vois. Hein. Non, du coup, il n'y a rien. Il n'y a pas une petite garde à part. Bon, il vient d'en avoir une de toute façon. Mais oui. Et on va quitter. On sauvegarde, on quitte. Oui, t'arrives ménage pour demain matin. Ah, bah oui. Bah oui, mais du coup, tu n'as rien vu, à moins que tu aies mis. Que tu l'aies mis. Pendant le live. Enfin, que tu aies mis le live pendant le ménage. Du coup, c'est fini pour ce soir de mon côté. Apparemment vous retrouverez Doudou demain encore sur du Crash 4. Hein. Et après, il continuera peut-être samedi s'il en a toujours envie, on verra. Hein. Peut-être dimanche matin, on n'en sait rien. Cette semaine, c'est de la surprise, hein. On ne sait pas quand il stream. Mais en tout cas, tout ce qu'on est sûr, c'est que vous allez retrouver Théodrem dimanche après-midi à partir de 14h sur Assassin's Creed Brotherhood. Paraît-il, il a platiné le 2 en live. Je ne l'ai pas vu, donc pour moi, il ne l'a pas fait. Ça ne comptait pas. Dommage pour lui, il n'en a toujours pas. Non, je rigole. Il a enfin eu son premier platine en live. Tant mieux pour lui, ça fait plaisir. Du coup, moi je dis c'est des mythos platines, ouais, c'est un petit photomontage, j'ai bien vu, là, moi je suis un expert, j'ai eu l'œil, je me suis dit c'est pas possible, pas Théo, on n'en revient pas. Non, on rigole, ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, je vous souhaite en tout cas une bonne nuit, une bonne fin de soirée à tout le monde, prenez soin de vous, bon vendredi, puis bon week-end, on espère vous revoir les prochains jours. Et les fois d'après, prenez soin de vous et salut tout le monde. Bonne soirée.